Cette vidéo est relative à l'isomérie ZE. En classe de seconde, vous avez appris ce que sont des isomères, c'est-à-dire des représentations différentes d'une molécule pour une même formule brute. Ici, l'isomérie ZE est une isomérie optique. On va le comprendre avec cet exemple. Voici le but de ZEN. Voici une représentation qui pourrait être une représentation de Lewis. Eh bien, dans le cas du but de ZEN, la position des différents groupes dans l'espace a de l'importance. On dit que si les groupes les plus importants de la molécule sont du même côté de la double liaison, l'isomère est de type Z. Vous voyez ici, les CH3 sont du même côté de la double liaison. Si les groupes les plus importants de la molécule sont de part et d'autre de la double liaison, l'isomère est de type E. Ici, les CH3 sont de part et d'autre de la double liaison.